Bonjour. Je ne sais pas quoi dire. Tu m'entends? Waouh, t'as dû te péter les oreilles là. Et je m'entends plus là. Hein. Ton casque doit être très fort quand même. Hein? Je m'entends extrêmement fort depuis là. Je m'entends dans ton casque, mais j'entends. C'est ouf. C'est juste pour écouter, donc on s'en fout. Hein. Pour moi, ça marche bien. Les gens pour régler eux-mêmes le son. Là, on va nous entendre les deux. Le son du jeu est un peu fort, hein, des fois. Ouais. Moi, je trouve. Les gens, apparemment, ils ne disent rien, mais moi, je trouve que c'est fort. Non, mais là, c'est un son, c'est important, ils font l'audio. Hein. Non, mais. Bah, je sais pas. Après, la musique, là, elle est forte, oui, mais. Les gens, ça les dérange pas, ils font du son. Donc, partie sauvegardée de... J'espère qu'ils vont pas me mettre je sais pas où, comme la dernière fois. Ouais, je te souhaite. Mais moi, l'autre fois, t'as pas sauvegardé pour moi, l'autre fois. Ah si, sûr. Bah, la preuve que non. Non, la première fois, on a eu un bug. Oui. Voilà. Et on est parti au moment là, du bug. La semaine dernière, oui, je sais qu'il m'a montré, hein, t'avais sauvegardé. Donc là, il n'y a pas de raison, mais la dernière fois, non, t'avais pas sauvegardé. Bah non, j'ai pas pu. Oui. Ah oui, il y a le trou. Et là, il y a toutes ces histoires avec les portraits, les... C'est ça. Alors, tout se rappeler. Je sais que celui-là, je l'ai pris en photo déjà. Tu me laisses toute seule là. Par contre, je sais pas du tout quoi faire là. Oh non, ça commence déjà. On va revenir vers la lumière. Voilà. Hein, ça a l'air d'aller mieux. Par contre, ici, ça va pas. Hein. Putain. M'en fous, je suis quand même venu voir. Il me suffit dans le froc, mais j'y suis allé. Rien n'a changé. Monsieur Cat. Arrête de fermer la porte, Andouille. Mais qu'est-ce qu'il est con. Ah, j'ai le fil de ma souris qui m'embête. Bon. Ah bah. Ah oui, bah fallait que je revienne là, non. Pas un délire avec un... Bah oui, je suis rentrée dans le placard, il y avait une dame qui pleurait. Et ça y est, regarde, je mets le couteau. J'avais raison. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire?
Ah oui, d'accord. Je sais pas. I love you. Petite clé. Petite clé. Peut-être pour le coffre? Ça doit pas être pour ça, je pense pas. Non. Peut-être pour ça, non? Peut-être pour le coffre là? Je t'entends pas. Peut-être pour le coffre là? Peut-être, ouais. Non. Il n'y avait pas une boîte ici. Peut-être ça. Non plus. Ah mais je peux l'ouvrir. Et il joue avec les lumières là. Non, y a rien d'utile. Je déteste ça, mais je vais le faire quand même. C'est bien sombre ici, hein. Mais non. J'ai pas une interaction par là. Pourquoi tout est aussi sombre? Il y avait de la lumière avant, non? Ici, ils ont décidé de m'enlever la lumière. Ok. Non. C'est pas la clé pour sortir. Non. Je pense qu'on retourne à la cave, moi, je pense. Je sais qu'il y avait une porte en bas qui était encore fermée. Ah, je saurais pas y retourner. Hein. Si, sur ton tour. Pas par là, de l'autre côté. Rien ne se passe, il semble y avoir un motif, mais rien dans cette pièce ne semble aider. Ça semble aider. Rien dans cette pièce ne semble aider. Il y a si je crois dans la dans le bureau. Dans le bureau il n'y avait pas un truc. Ah bah non, c'est le coffre. Oh ta gueule. Hey. Là bah tu veux pas dans la coffre pour moi. Et le miroir là, il a pas été cassé? On dirait si. On vient pas. Ah ouais. On va déjà deux, trois trucs là. Vraiment de l'autre côté. Je peux pas éteindre ça avant là. Pourquoi on va l'éteindre? Oh eh mais il est fou! Ça te dérange? Bah c'est un peu chiant, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Je pense que c'est le but quand même de l'éteindre, je sais pas. Ah, je sais pas. En tout cas, j'ai pu le faire, donc... Le vrai, c'est ça risque de déclencher autre chose. Chaque chose que tu fais déclenche quelque chose, donc j'essaie de faire attention.
Faut mieux éliminer les étapes une par une que sans rajouter. Ah, elle doit être là-haut, je parie, tiens. Non, bah, t'attends. Non, mais elle m'attendait, elle m'aurait déjà attendu. La dernière fois, j'y suis allée, non? Oui. Elle est partie? Non. Non, 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 non. Ah, mais ça me fait des frissons partout, quoi. Putain, et les escaliers, il n'y a pas pire que des escaliers, quoi. Qui n'a jamais eu peur qu'on le suive dans les escaliers? J'aime pas ça. Armoire là. Ah, c'est pas une armoire. Il va revenir dans le salon du coup. Ouais, ça va pas servir à grand chose du coup. Non, ça va servir à gauche. Là, la porte du fond pour moi. Là? Pour revenir dans la cuisine. Passe par un des placards pour essayer de retourner à la cave. What? C'est ce que je veux te dire? Non. Bah si. Attends, quoi? Faut que t'arrives à prendre une porte dans les miroirs pour retourner dans la cave. Il y en a forcément une qui va te ramener en bas. Et tout est fermé là. Hein? Vas-y, go. On reste pas là. Je suis bien ici, il y a de la lumière. Il y a même des bières dans le frigo, je... Mais c'est la porte... Quoi? Oh, mais elle s'est refermée comme une cinglée, la porte. Ouais, bah je... ouais, voilà, bah... Ouais. Et tu reprends à prendre après à gauche au garage. Puis là, il y a quoi, là? Prends la porte, là, derrière. Là, elle est fermée, non? Ah, non. Et tu prends le... ça, là, derrière. Regarde ce qu'il y a derrière. Je vais remettre en tête les portes, là. Bon, on l'a jamais fait. On avait dû la casser et puis se rappeler qu'il fallait en faire une. C'est beau ça, j'aime bien. Ça, je le dis. Je peux marcher 10 minutes. Hein. Je suis où là? Derrière toi, t'as fait ça sonne. Ah bah t'es dans la cave. Ah? Oui. Donc là tu regardes pas là, derrière toi. Là, la porte derrière toi. Tu viens de là non? Bah oui. Ah. Et ben fouille encore. La porte à gauche là. Et c'est voir si tu veux pas. Ah bah non, est-ce que tu l'as ça? Ah, regarde ici, s'il n'y a pas un truc à ouvrir dans la cave. Cherche quelque chose. Un outil. Ouais, tout au fond là-bas. Ouais, va tout au fond et à droite. Là maintenant, à droite. Je sais qu'il y avait des armoires. Tout est ouvert ici, il n'y a rien à ouvrir. Je sais pas. Oh, fais cul du con. Non, il n'y a rien. Il y a un miroir ici. Ah bah oui, c'est le miroir. Elle voulait sa boîte de thé, je sais pas quoi. Là. Oui. Ouais, ouais, je vais essayer la boîte de thé là. Mais il n'y a pas de boîte de thé. Bah si, tu te rappelles pas à l'étage. Non mais dans sa chambre, il y avait une boîte. Non, on a déjà essayé, c'est une boîte à musique, ça ne marche pas. Non mais là, t'as une nouvelle clé. Oui, j'ai essayé déjà. Vu que c'était à côté de la chambre, j'ai essayé. D'accord.
Il faut trouver, de toute façon, il y a bien un endroit où elle va, cette clé. Je vais là ou là-bas? Ben là, plutôt, oui. Là? Oui. De côté, c'est fermé. Ça passera pas. Il y a dans le trou là-dedans, c'est toujours fermé là-dedans dans les chiottes. Deux trous. Okay. T'es dans le noir, pourquoi tu y restes? Ben, elle vient de faire clic. Mais fais attention. Tu t'en vas trop vite là. Je sais pas où aller. Quel est l'intérêt de retourner là où tu vas? Il fait noir, tu m'as dit, je peux pas rester là. Bah si. Non? Là, il y a quoi là-dedans? Ah bah j'en sais rien, il fait noir. Je sais pas s'il y a un interrupteur. Là-haut. Alors l'interrupteur, il allume pas la lumière là, mais il se fout de moi. Faut que je monte là-haut alors. Je Et là, il y a pense. une porte, hein. Ben oui. Et il fait noir. Ah. Ah, ok. Oh, c'est malaisant. Non? Il y a la porte en bas derrière, t'arriveras à y aller. Sais pas. Pourquoi il fait tout noir d'un coup? Mystère et boule de gomme. Non, mais les gars, je ne prends pas de risque. Je vais crever là. On essaye, on repasse. Hein. On va voir petit à petit. Hein. Ça, Ah je sais ben. pas s'il y a besoin celui-là. Je t'en rappelle de celui-là. Laisse tomber celui-là alors. On retourne dans le chiotte là-bas à gauche. À droite, là-dedans. Ah, le trou. Il y avait quoi là-bas dans le trou de... Attends. Ça s'ouvre pas? Je me rappelle plus. Mais là, l'exé. Non, ça, c'est pas la facecam, même. Salut, Day Night. Ouais. Ah oui, bah ton enfant. Va voir si tu peux pas choper une peluche quelque part quand même. Hein. Tu rappelles qu'elle prenait des peluches pour des enfants? Ouais. Tu rappelles pas de ça dans la cassette? T'avais pas trouvé une cassette d'ailleurs? Je me rappelle plus. Je sais plus. Ok. Essaye celui-là de droite maintenant. On verra bien. Ah bah c'est avec les horloges. Ça va, Kettle? Mou bien et toi? On est dans les jeudis de l'horreur. Bizarre qu'il fasse sombre comme ça. C'est pas sombre comme ça normalement. Bah si. T'as vu au milieu il te manque une aiguille hein, derrière toi là, t'as vu? Dans le jeu milieu. Ouais. Ah non. Ah non non, elles sont l'une sur l'autre. Ouais. Tu vois. Ah mais tu peux les toucher. Là. Oui, je peux les toucher. Mais bon, je sais pas quoi mettre. Là, pour le moment, oui, il faut fouiller. Hein. C'est pas le choix. Hein. Tu peux pas trouver par miracle. Hein. Je vais essayer de remonter en haut. C'est quoi là déjà? Y a rien, y a pas de coffre là. Hein. Oh. Ah, attends.
Ouais, mais il y a un passage. Il y a un truc derrière, ouais. Ouais, tu peux peut-être les enlever. Hein. Tu veux pas taper dedans? J'aimerais bien, mais d'habitude il le fait sans que je le veille, et là il veut pas le faire. T'as une option pour déplacer là, apparemment, regarde. Ils te le disent, hein. Je sais, regarde. Bah, maintiens ta touche gauche. Reclique, enlève et reclique. Non mais tu cliques pas là. Non mais regarde, ça bouge, tu vois. On peut pas faire autrement. C'est bizarre hein, comme méthode de jeu à chaque fois qu'ils font. Hein. Eh ben mon vieux, faut pas être pressé. Faut pas avoir un monstre au cul, je te le dis. Ah bah là non, j'ai enlevé le truc, là, j'ai mis une autre appli pour faire un test et alors. Regarde. Là, y a pas de. Y a pas l'overlay pour les hosts là pour aujourd'hui. Ah bah d'accord. J'ai fait un test d'une autre appli qui devrait mettre un message au milieu de l'écran, mais y a rien. Ça ne marche pas leur truc. C'est de la merde. Bah. Non, on peut pas. C'est pas disponible dans la version anticipée. Ils font chier, hein. Oui. Il faut mettre des trucs qui marchent pas. Ah oui, là on se retrouve dans le garage. Écoute, mélange le crâne. Hein. Je me rappelle qu'un coup j'étais resté coincé ici ouais. Avec le monstre. Ouais. Quoi? Ouais, il me fait peur. Oh. Ah, regarde-la, 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 regarde-la. Ah oui, oui, il y en a. Je me casse. Je voulais la chambre là. Je me sens bizarrement, je me sens en sécurité dans la chambre là. Je sais pas pourquoi. Donc les cassettes, tu vois, on en a trois là. Bien, cette histoire de code aussi qu'on a toujours pas eu besoin d'utiliser. Bah non. Non, on les avait bien écouté, ça c'est bon. T'as bien essayé la bonne clé tout à l'heure. Hein, ah, j'ai tout essayé. Les deux. Sur celle-là? Ouais. Ah, ça c'est une boîte à musique. C'est pas une boîte à thé. Une boîte à thé, ça peut être que dans une cuisine. Non? Normalement, oui. Justement pour lui mettre un coup de masque ce serait bien. Et la masque normalement elle a juste servi à casser des miroirs. Tu vois là comme celui-là, t'as été dans celui-là depuis. Je sais plus ce que c'est. J'essaye hein, on peut faire. Ça va être 2-3 trucs en tête. Je suis bien sombre. Ah bah c'est les. Ah. J'aime pas rester dans le noir. Bon du coup là on en a trois. Donc du coup tu te rappelles dans l'œil où on pouvait regarder, il y en a trois. C'est trois visages. Attends, viens voir, je l'avais pris en photo. Il y a beaucoup d'énigmes dans le jeu. Il n'est pas très simple. Voilà, c'est ça. Donc, déjà celui avec le papier sur le visage, on va dire ça comme ça. Il faut les mettre au fond. Faut que j'enlève l'autre avant. Et ça, tu sais où tu dois les mettre? Bah je pense dans le même sens. Oui mais dans le fond, dans, à où? Bah là au fond parce qu'il y a que là qu'il y a trois places. Ah non il y en a quatre. Attends, je suis perdu. C'est derrière toi. C'est non c'est là, voilà. Voilà, ah là. Il faut le mettre à la suite droite, tu enlèves l'autre avant. Mais attends, je vais faire comme ça. Mais... Fais pas l'enfant, pose-toi. T'entends le bruit là? Le tutut? Mmh.
C'est dans le jus. Alors ça, je sais pas, ça doit pas être ça. Ouais, il y a un bruit. Il y a un bruit par là. C'est bizarre. Ensuite, il y a un espèce de visage. On voit plus trop ce que c'est un visage. Il est bien par terre, ça va correspondre là, je crois. Ah, ça là. Ouais, si, si. Ah ouais, c'est ça. Presque. Ah non, il est là. Voilà, attends. Donc celui-là. Moi, je vois pas bien. Moi non plus, mais... Voilà, celui-là, il va là. Et l'autre... Je sais pas trop ce que c'est. C'est une espèce de visage effacé aussi. J'ai pas l'impression que c'est ça. Ah non, bah non. J'entends une espèce de musique. J'entends plein de bruits bizarres. Hein. Ah, regarde cette droite là. Ça là. Ça? Non. Ah non, non. Mais tu veux pas les tourner toi de toute façon. Hein. Non. Ça, c'est pas ça. Non, puis ils se mettent bien en mode portrait, hein, pas paysage. Il est dans le couloir. Ouais. Ah. C'est ça. Ah, cool. Ah, heureusement que j'avais pris une photo, tu vois. Ça n'a pas servi à rien. On va poser là, comme ça. Hop, toi tu dégages. Hé, hey, hé, hey, regarde. Ça donne vachement envie. Alors. D'accord, donc ça le bruit. À la poste gelée. Ah ! C'est pas ça qu'il faut pour le... C'est des petites pièces comme ça qu'il faut dans le... Ouais. Bah là, je pense que j'ai plus rien à faire là. Bah là, je pense que c'est bon. On a déjà un premier truc de trouver. Ah. Je suis contente. Charabia. Oh putain, qu'est-ce qui m'attend là-haut quoi. Il y a des gens qui discutent. Ah bah voilà. Ouais, bah je peux pas. Ah si, tu fais le tour. Tu cours. Comment je fais le tour? Bah tu repasses peut-être par la cave. Ah peut-être. Ouais, c'est la seule solution hein, pour retourner là. Ça c'est le garage, c'est pas la cave. Hein. Bah oui. Je passe par là, oui, c'est ça. Là, à fond à droite. Et tu repasses la porte du fond à gauche. Oh, il y a des bruits trop bizarres, c'est pas normal. À gauche. Je devrais peut-être aller mettre le truc, non? Si tu veux, mais là, par contre, c'est à l'étage.
C'est là l'étage? Non, pas du tout. Ah oh, putain, j'y arrive pas. Mais pourquoi tu continues? Je sais pas, j'ai peur. J'ai mis tout. Il y a quelque chose de... J'entends de plus en plus fort. Oh là 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 là, moi je sais pas quoi faire là, j'ai peur. Hein. Hey Froze, ça va ou quoi? La forme? Salut Froze. Ah, il s'est passé un truc là-dedans. Coup, je vais pour le regarde, c'est le four qui parle, ouais. Et là, frigo. Donc, ben, c'est marrant. Je suis dans Requiem for a Dream, quoi. Ah, putain. D'accord. Oh, shut up, you cancer breathing microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey, watch it with the toasted remark. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked, like a fucking whore. Are you kidding me? What the hell's wrong with this old hag? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, that's pas l'idée. Boo hoo! Big guy needs to sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi joke for months now. I have some real news for you guys. Oh yeah? What's that, you twat? You're stuck with me. Don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. My sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust a broom, I tell you. Pas tous les jours qu'un frigo parle, hein. Ouais. Avec le four et le micro-ondes. That the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? Ça va, ils sont cool, moi je les aime bien. Putain. C'est spécial, hein. Ok. C'est bon, ils ont fini. Oui, c'est ça, Alex. Oui, c'est Visage, le jeu. Il n'y a rien là-dedans. On n'est pas venu là pour faire le ménage, hein. Tu m'étonnes. On va aller là, parce qu'il regarde, il y a des traces par terre. Et il y a l'air de se passer un truc bien chelou là-dedans. Et il y a une respiration, en fait, je sais pas. J'y vais ou j'y vais pas? Bah, il faut toujours aller voir, hein. Et puis si je meurs? Bah, tu recommences. Si tu veux faire d'autres. Si je meurs, c'est ta faute. Oh, ça a changé, en tout cas. C'est quoi, ce truc? Oh. Non, mais là... C'est passé quoi, là, depuis tout à l'heure? Tu vois, mon emploi du temps m'empêche d'aller plus loin. J'avais rendez-vous avec le four aujourd'hui. On était parti faire quoi au fait? Parce que c'était pas ça qu'on devait faire. À l'étage. L'étage. Attends, je regarde s'il n'y a pas une boîte à thé, hein, par hasard. Ça, ça s'ouvre pas ça. Ah si. Ah, il n'a pas encore changé le nom. Ah le choix, oui, non, un classeur, putain. Merci de me le dire, Alex, c'est gentil. Allez, pousse-toi la porte. Oui, allez. C'est pas... Putain.
Oh, épichiote, voilà. Ouais, t'as qu'à mourir, hein? Allez. Ça va peut-être par là. Pourquoi est-ce si noir là-dedans? Mon dieu, il est chelou, hein? Soit il a fait ça, mais... Salope! Ah là là. Le grand bordel, là, ça n'est pas fait. Allez, on y va. Dès qu'on va aller, je monte à l'étage. Oui, oh, tcha. Dans sa chambre. Là, dit. Elle monte. Ta gueule. Dis pas des trucs comme ça. La vie, c'est la meilleure phrase. Tu t'as vu ça ou tu l'as appris? Mais putain. Je suis venu là pour faire quoi? Le landau. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est pas un landau, oui, c'est un berceau. Ça pour le truc. Mais on s'est compris. 4, il en faut encore. Ah non, il en faut encore 3. Ah ouais, pas lui, hein. 4. Ouais, truc de ouf, Rose. Ouais. Nous, on a appris que dans notre ville, il y a un mec qui s'est fait plomber pour une place de parking. Ouais, ce soir, il y en a un qui s'est fait shooter pour une place de parking. Pas loin de chez nous. Pas loin de notre rue. Les gens vont mal, hein. Ouais, pas à chier, hein. De toute façon, ici... Oui, c'est de plus en plus. Hein. Je sais plus ce que c'est ça. Je vais aller guetter. Si, je me rappelle que je me faisais courser. Qu'il fallait que je casse le sol. Ah bah ça sert plus à rien d'aller là du coup. T'as vu comme ça fait, on dirait qu'il y a une bonne sœur au fond là. Ah. Bah tu regardes. Non. Bah c'est des poupées. Ouais. Ah bah c'est tes poupées ça, tu fais ça. Non. Bah, salope. Mais t'es grave dans la merde. Désolé le chat. Mais moi je vais là, je me sens en sécurité ici. Je sais pas si j'ai raison. Hein? Voilà. Voilà. C'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi ce bruit là? Ça marche au-dessus de ta tête. Il y a un bébé qui pleure. Oh. Enfin, qui... Il y a un bébé qui a plus de piles. Si je peux dire. Oui, c'est la merde, hein, Froze. Moi j'ai peur, j'ai pas envie de bouger de là. Et en plus il y a un trou là. Oh là. C'était quoi ton option à toi? La mienne? Oui. Tu veux plus monter en haut? Oh bah je pense que si. Bah essaye pour voir. Peut-être des trucs qu'on aurait pu louper là-haut. Ah non. Bah oui, t'es pas bien placé. Non mais c'est le bruit. T'entends pas les bruits toi? Non. Et puis terre, ça s'intensifie de plus en plus.
Bah, ça marche, Denight RP, je t'en remercie encore d'être passé et passe une bonne nuit. Ah bah, bonne nuit, Denight. À bientôt. Regarde, après, ça bien regarder les objets et tout ça. Par contre, t'as pas de briquet là. Non. Quoi, ça va pas par terre là? Rien. Ça c'est quoi ce truc? Bizarre, hein? Les bruits qu'il y a. Là, là, on fait qu'il y a une trappe. Non, non. C'est de là, d'où je viens. Ah! Yes. Hey. Nickel. Bon, faut que je ramène le thé à la vioc. On peut peut-être passer par ça là. Ça marche, Alex, pas de problème. Pas de soucis. Là, Honey, il faut que tu m'aides. Pour que je retrouve la pièce où est la vioc. Le miroir, là. Sans que je me fasse attaquer, ce serait bien. Oui, je sais. Retourne d'abord à droite. Avance. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu m'écoutes pas? Ça me perturbe qu'il n'y ait pas de lumière. On s'en fout, mais... Je peux passer par là? C'est pareil. Okay. Oh, voilà, putain. Oh putain. Voilà. Oh putain. Oh putain. Putain. J'ai déjà dit dans le jeu là, ne fais pas n'importe quoi. Foutre. Le moindre allez, truc que foutre. Tu fais, ça change tout. Voilà. Oh non, je vais crever quoi. Ouais, peut-être pas. Non, pour le moment, il y a un problème. Essaye d'enlever les voilà, ça, les... Tu peux enlever les non, trucs. Non, non, non. Non, mais c'est vraiment des enfoirés. Ah putain, je l'entends derrière. Non, je veux pas regarder. Il y a pas moyen. Je me retournerai pas, meuf. Va te faire foutre. Oh, c'est horrible. Ah. Oui, normal, c'est le... on est sur PC là. Donc, le son est différent. On n'est plus sur les parties de la PlayStation. Elle est juste derrière moi, j'ai l'impression de la sentir contre moi là. C'est affreux. Dégage la vieille. C'est ce que ça dit. Oui, viens là. Ah, mais j'ai l'impression de la sortir. C'est juste là, là. Tu vois? Elle est dans mon oreille. Elle est dans mon oreille. Je peux rien faire. Si je me retourne, je suis foutue, j'en suis sûre. Bah, je vais attendre qu'elle parte. C'est bien, non, comme option. Elle repart plus long, tu peux pas. Ah, attends, c'est peut-être fini. Oh yes. Ah bah tu vois, je crois que j'ai bien fait de pas la regarder. Je pense que c'est pas une mauvaise option, ça, tu vois. Oh, mais bon, maintenant tu vas m'écouter. Oui, je t'écoute. Ah, on va où? Tout droit. Ensuite à droite. Essaye le miroir, là, je crois. Non. Ouais. Non, non, on la voit directement. Dans le miroir. On voit la cuisine, tu sais. Il faut que tu reprennes l'échelle que tu avais pris l'autre fois. L'échelle? Bah oui, l'autre fois tu as pris une échelle tout à l'heure. L'autre fois tout à l'heure? Bah oui, mais c'était plus pas là. Putain, je vais pas y arriver. Essaye d'aller de retourner en bas. Ah. Oh. Putain, putain. Oh.
Je vais où? Je vais où? C'est pas ta... c'est pas la bonne gauche. Ah, il y a de la fumée. Ah, là, je remonte. Mais je sais pas où aller. Putain. Voilà, bien fait. elle m'énerve. Elle est stressante. Hein. Ouais, Froze. Attends, je respire un coup. Est-ce que j'ai trouvé le truc du coup? Oui, j'ai la boîte là, de thé. Je peux comprendre, hein, Froze. Il y a des gens comme ça. Hein. Ça arrive. Hein. Ah ouais, mais c'est les sons là, les c'est. Voilà bon, quoi. Ben, t'as toujours la boîte de thé? Oui, oui. Bon, bah, redescends à gauche. On va voir au fond là-bas. Tiens, la porte est au fond. Ah, oh, mais j'entends porte, chuchoter là. À droite là. T'en fous, pas ça. Ah non, non, non. Ça sert à rien. Ah, là, elle m'en veut là. Hein. Je... Faut que je me moigne le cul de trouver. Retourne, je crois. En bas. À gauche. Laquelle? Là? Non. Là, la cette gauche là. Ah. Et là? Vas-y, va descendre là. Quand tu descends là, on va voir, on va retourner un petit peu à droite là. Tourne à droite. C'est quoi là? C'est rien. Monte là-haut. Ah putain, j'espère qu'elle m'attend pas là-haut. Non, non. Mais c'est déjà fait ça, elle va refaire pas ta 50 fois la même chose. Mais en fait, tu reviens de l'autre côté là, ça sert à rien. Bah oui. Tour. Peut-être que je peux passer là. Là, on en revient. Regarde, là, t'es bien dans la lumière, y a pas de problème. On prend la porte qui est quand même derrière. Le miroir. Non mais. Tu prendras le miroir là-bas derrière la porte. Je sais qu'il y a un miroir qui te permet d'aller dans la cave. Je sais plus c'est lequel, mais. Ça doit être ça, je pense. Vas-y. La salle de là d'ailleurs, c'est pas ce trou là. Ah, je sais plus, j'ai pas de mémoire. Non, pas encore. Elle y a une isolation. Non, pas encore. Bon, là c'est mort, Alex. Hein. Déjà, si je lui dis ça, enfin, déjà, moi je lui dis pas, tu lui dis. Une fois que tu lui auras dit, elle te les aura bien roulés et te les aura foutus dans le fion. Hein? Il me dit qu'il faut que tu cannes tes pulsions. Mes pulsions? C'est la vieille qui a des pulsions. Derrière. Derrière. Là, la porte là. La porte là. Regarde là-dedans. Là. Ou attends, le miroir au fond là, il donne sur quoi? Une échelle. Eh ben vas-y. Ah, c'était pas celle-là. L'autre, elle descendait l'autre fois. Mais essaye de la monter quand même. Et je crois que l'autre fois elle descendait, celle que j'avais vue, que je me rappelle. Ça te dit rien ça? Non. Bah, enfin, vas-y. Je sais pas. Donc, tu verras, hein, tu reviendras s'il faut. Burk. Il n'y a rien par terre là. Ah mais oui, il avait fallu ouvrir avec un outil. Du coup ça marche pas, ça marche pas. De toute façon une clé c'est pas une. Il n'y a rien d'autre par terre, hein. D'accord. Non. L'échelle. Ça c'est pour se barrer ça, non? Peut-être ou pas. Non, c'est pour la boussole à mon avis. Hein. Mais qu'est-ce que je vais avoir besoin de voir une boussole moi? Ouais, ouais. Je descends dans le trou. On va réessayer hein. Il y a des jeux ultra oppressants, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, mais après, ouais,
aussi j'aurais à me les corriger moi-même. Mais tout le monde n'est pas pareil. Ouais, moi aussi, c'est pareil. À droite, elle est là. Hein. Ouais, je sais qu'elle est là, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse d'elle, moi? Ben, non, elle veut son enfant. C'est qui la boîte de thé, alors? Ah bah, c'est peut-être la même. C'est une vieille, aussi. Je sais pas combien il y a de vieilles, là-dedans. Mais tu sais, il y a une cuisine. Non. Si, à un moment donné, tu traverses un miroir et t'arrives dans une cuisine. Eh ben, c'est vieille. La cuisine dans le jeu, alors. C'est la bonne. Non. C'est une cuisine où tu vas traverser un miroir. Il faut que je trouve tous les miroirs. C'est pas la même ça, cuisine. Ouais. Non, mais c'est pas cela, déjà. On a réessayé tous les miroirs, alors. Hein. Ouais, mais... Bah voilà, s'il n'y en a pas, les gens, on va faire par élimination. Tu vas, regarde. Là, 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 là. À gauche. Mais je peux pas aller là, il y a, un truc. Tu peux pas, il y a un truc chelou, il y a une respiration. Bah oui, mais. C'est peut-être normal. Ça, c'est normal, ça. Bah ouais. Ça, c'est normal, putain. Putain de merde. Non, non, ça, c'est pas normal du tout, tu vois. Ah, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Je sais pas, il y a un gros bruit là. Ça... C'est bon, ça se calme. Wow, faut pas que j'aille là, je crois. Hein. Pas comme ça. Pas maintenant. De toute façon, c'est fini, c'est parti là. Non, celle-là, réessaye la porte là. Là? Non. Le miroir là, c'est celui-là d'où tu viens? Non. Ben va voir. Je sais plus. Qu'on soit fixé là, un bon coup. C'est quoi ça? Ben, tu sais, c'est là d'où tu viens. Ah ouais? Ben oui, ah bah oui. Ah putain. Et là, on tourne tout le temps dans les mêmes pièces en fait. Non mais ça va revenir, t'inquiète pas, on va retester tous les trucs. Et d'un coup, il fait tout sombre. Très sombre même, c'est pas normal. Que tu fais? Je sais pas. Tu sais, moi je suis capable de tourner en rond pendant 12 jours. Hein. Et il n'y a aucun interrupteur. Ah, mais ça marche pas. Le disjoncteur a sauté. Oh putain. Tu te rappelles où est le disjoncteur? Dans la cave. Génial. J'ai pas de briquet, j'ai rien. Bah, c'est pas grave, fonce. Bah, où? À gauche. Là? Oui. Bah, non, mais tu sais, quand je suis stressé, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Va tout droit. Fonce, tu vas tout de suite à gauche. Là. À gauche. Voilà, à gauche. Le miroir là, tu passes dedans. Attends, ah, personne pour contrôle mental. Passe la porte. Pourquoi une musique comme ça? Le game là, c'est visage. Du coup, je repasse là. D'horreur ben, basé sur le mental du coup. Ouais, en plus il est encore en développement, c'est pour ça crasse. Hein. Il n'est pas tout à fait terminé. Hein. Et le jeu se fait avec des événements dynamiques, donc même si toi tu le refais, c'est pas forcément que tu aies les mêmes événements au même moment. Voilà, là-bas, tu vas là-bas. Con qui a éteint la lumière. Attends, c'est lui qui est là. Vas-y, et tu repars à gauche, direct. Là. Voilà. Et à droite. Voilà. Il n'y a pas un briquet là? Passe, on s'en fout. Non, moi je m'en fous pas. Non, mais ça pouvait pas attendre 2 secondes, remonte. Mais... Je remonte. Où. Voilà. Ah oui. Et garde ton briquet, là, chose, tu gaspilles trop d'énergie, oui. Là, t'as l'impression que ça a fait là, quelque chose. Ça a pu rayer un interrupteur, Marie, pour allumer la lumière. Voilà. Là, c'est bon, regarde, t'as la lumière, t'as la télé qui retourne, mais c'est bon. Il y a un autre briquet, je peux peut-être le mettre dans mon inventaire. Non. Voilà. On va essayer celui-là pour voir ce que ça donne. Essaye-le. Mais parce que la vieille, je te dis, on voit la cuisine depuis là. Il faut essayer tous les miroirs, on sait plus où c'est, donc... Niette. Que nini. Mais c'est ça, c'est bien visage. C'est chelou comme nom, j'avoue. Mais bon, ça peut avoir une connotation, plusieurs connotations, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu commences le jeu, t'as le personnage, tu le vois, on sait pas si c'est réel, si c'est un souvenir ou pas.
En tout cas, le mec, il prend un flingue, il bute deux personnes. Une femme et un enfant. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est sa femme, ou si c'est bien lui, ou si c'est juste une vision comme ça. Okay. Donc ça peut être le visage de la peur, le visage du fou, enfin... Non, vraiment, maintenant, on part là-bas. Cherche un autre miroir où passer. Entre à droite. C'est quoi, c'est une maison où tu t'es tout le temps perdu. Là, moi, ouais. J'aurais pas une maison comme ça. Non. Là? Non. Bah où alors? Avance, voilà. Là? Oui, à droite. Il y a pas un... Ah. Je vais peut-être pas aller là, je sais pas s'il y a quelque chose ici. Oh. À gauche. Tu laisses trop allumer tes briquets, c'est pas bien. Hein. Waouh. Là. Non mais là c'est dehors. Non, c'est pas ça. Bizarre cette trappe là. Vous devez porter cet objet à deux mains. Ouais, ouais. Non, c'est un masque. Non. Ouais, mais non, mais ça veut pas dire que je peux l'utiliser là. Hein. Juste que regarde. Voilà. Pourquoi il y a des vieux lags là? Je sais pas, c'est un truc qui se prépare. Ah, arrête. Bah, écoute. J'aime bien quand c'est calme. On va voir à gauche là-bas, c'est un miroir qui se cache. Tiens là. Ah c'est là. Ça y est, on a trouvé. Alors elle est bien mignonne, mais... Ah là, hein, à mon avis. Hein. Ok. Oh. Voilà. De toute façon, ces objets-là qui sont directement dans la petite armoire, donc on s'en fout. Putain. Putain, mais quelle connasse! I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth. T'as pété ta tête de huc. Ouais, c'est sympa, je ramènerai du thé à la vieille. Ouais, Marie, elle va surtout monter de ses deux. Oh, mais c'est fou. Maintenant, je vais avoir peur des petits vieux, quoi. Bravo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis dans le four. J'étais presque. Non mais la vieille, elle veut me bouffer. Ok. Ah bah cool, mon arme est là, le briquet est là. Et le pied de biche. Ah bah voilà. Nickel de pied de biche, non mais garde. Ok bah... Ah oh. Regarde. Ouais. Là le pied de biche, il va te servir à ouvrir la fenêtre par exemple. Tu crois? Ah bah carrément. Y a pas beaucoup de lumière ici quand même, hein. Et donc là, je vais où? Mais là, t'es où? Tout autour de toi, je reconnais. Ah bah t'es toujours là. Mais là, ça a changé, pas, on hein. Pas ici. Hein. Ouais, bah non, ouais, je crois que je dois sortir. Bah oui, t'as rien à foutre là, je pense. Attends, je vais quand même essayer pour être sûr. Non, tu vois.
D'accord. Donc là, il va encore se passer des trucs de fou, j'en suis sûr. Je crois que c'est en haut, la porte qui s'ouvre. La fenêtre. Passe là, direct. Là ? Ouais. Dans le tronc de truc. Toujours, le pied de biche, c'est la solution. Quand t'as un pied de biche, ta vie, elle est réussie. Ah si, c'est ça. C'est la classe. Salut, yes. Vladimir. Salut, Vladimir. Ah. Pourquoi faire ça, vous savez? Un prendre? Ben, ah oui. Sérieusement, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi? Pour le moment, il saute de ma gueule, en fait, il me troll. Parce que j'arrive pas à me... me repérer dans la maison. Non, mais il y a un truc. Je pense que ça va peut-être s'accélérer quand il va y avoir un... Monstre. Mais après, faut que tu suives le point rouge. Tu crois? Ou alors, ouais, tu peux... Attends, est-ce que ça n'avait pas un rapport avec les... Ouais. Les horloges? Parce qu'on n'a toujours pas fait ça. Non, je sais pas, tu peux essayer, mais... Essaye. Tu n'as rien d'essayé. La sortie, elle va pas être par là, parce qu'il fait tout noir. Il faut avoir monté à l'étage. Oui, mais ça, c'est donc, pas gagné. Tu vas là, ouais. Je vais où? À gauche. Là? Non, là c'est droite ça. Ah oui. Mais, là-bas. Ça continue. Là-bas? Oui. Ah, oh, c'est chaud maintenant. Là? Oui. Eh ben oui, mais pourquoi tu dis non? Mais derrière toi, voilà. Non, c'est là, fermé. Je ne peux plus passer. Bon, on pouvait déjà pas. Il y a quoi là-dedans? Il n'y a plus rien? Ouais, rien de spécial. Il faut que tu arrives à remonter, je sais pas comment. T'as quoi pour remonter comme possibilité? Là? Je sais pas. En courant? On m'étonnerait, mais... Bah ça monte. Oui, mais c'est fermé. Ah putain de merde. On descend. Là, à droite. On s'en fout. Continue ce que je... Non mais... Tu m'écoutes jamais, mais c'est incroyable. Je sais plus ma droite de ma gauche quand je panique. Là, la porte du chiotte, là. Rentre dans le chiotte. Là? Oui. Faut vraiment que tu m'écoutes, hein, parce qu'à chaque fois tu redéclenches des nouvelles choses, alors arrête. Hein. Dans ça. Oui. On va essayer. Hein. Je m'en rappelle plus où il faut passer pour remonter, mais on peut pas rester bêtement au même endroit. Hein. Bon, ça c'est clair, écoute. Enfin, Half-Life, ouais, ça avait été énorme à l'époque. Hein. Peut-être pas pour le premier Half-Life, je suis pas sûr, mais... Ah oui, Half-Life, ouais, c'était un DLC de... Enfin, Counter-Strike, c'est un DLC de Half-Life, ouais. Mais de Half-Life 2, peut-être, même, hein. Je me rappelle plus si c'était pour le 1 ou le 2. Parce que Half-Life 1, déjà sur console, on n'avait pas de DLC, nous. Faut que tu m'aides, hein. On n'avait pas d'internet dessus, donc c'était réglé. Non, c'est pas là. Il est du lampe, c'est là, à droite. Là. Là, à droite. À mais droite. Où ça, à droite? Putain. Quand tu es... Là? Non, stop. Retourne-toi. Stop. Bouge plus quand je te dis à droite. Le miroir, tu vas alors. À droite, voilà. Dis le miroir. T'es tellement stressé que tu m'écoutes pas. C'est un truc de ouf. T'en bouges pas, hein. Wow, pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Je peux mettre devant une autre pour voir ce que ça attends, fait. Attends.
Ok. Bah ça oui. Mais sur PC quoi. Et sur console on avait que le mode histoire. Hein. Moi je vais jouer sur console de Half-Life. Hein. C'est PS2 je crois même. Non mais pour moi il n'y a pas de rapport. Non, c'est pas clair ça. Déjà tu dis exactement la même chose que dans le salon. Retourne voir dans le salon. Attends, qui c'est qui te dit la même chose que là, dans le salon? Il y a bien un motif mais rien ne semble machin. Ils disent la même chose dans le salon. Donc tu rentres dans le salon. Vas-y, va là-bas. Tout droit, au fond du couloir à droite. Va tout droit dans le salon, mais n'avance pas trop vite, rentre juste dedans. Là, dans le salon. Ouais. Top. Avance un petit peu. Top. Ah. Avance un peu du coup. C'est bizarre, il est difficile. Regarde autour de toi. Là, déjà il y a une horloge, là. Elle est bloquée, non? Ouais. Ah, ça m'énerve. Approche vers l'horloge. Vise là. Non mais tu la vises pas là. Ouais. Voilà. Il est quelle heure dessus? Ben 3h35 presque. 3... Ouais, oh. 3h33. Ouais. Et regarde voir les portraits, les images qu'il y a ici. Essaye de trouver une image qui ressemblerait à ce qu'il y a là-bas. Ouais. Non mais c'est André. Là-bas, il y a quoi comme image dans la zone là-bas? Je me rappelle déjà plus. Je sais qu'il y a des animaux, il y a des bouches, je crois. Tu peux aller voir les images, s'il te plaît, là-bas, quand tu en es en tête. Ouais, tu sais, mais... Déjà l'heure, 3h33, on va dire. Mmh. Donc, Parce qu'on a vu, ça se trouve, il y a une image ici qui est associée. Tu vois, là-bas, tu as les trois horloges, les trois assiettes. Rappelle-moi où il faut aller, là, parce que je suis en stress. Au fond, à gauche. J'aime pas les sonneries. J'aime pas les sonnettes. Là? Oui. Là. Tout droit. Là. Tout droit au fond dans le miroir, au fond. Fais pas ta méthode de la lumière, tu seras tranquille. Je me rappelle plus où tu m'as dit d'aller. Toujours. Je suis au secours. Oui, je panique, j'arrive plus. Là. Tu t'avais dit, bah oui. Mais c'est pas sérieux. Non, mais je perds tous mes moyens quand j'y arrive plus. Que, ouais, bah oui, regarde si j'arrive plus, je perds tous les moyens. On va bien voir les assiettes, moi. Ah non, ça merde, la lumière, ça, ça poupiette. Alors, les assiettes, c'est une femme. D'accord. Ouais. Mais là, à l'endroit, on les regarde bien. Voilà, donc là, t'as une femme qui regarde à droite. Là, t'as une femme et un enfant. Et à droite, t'as un vieux qui tire la gueule. Ok. Moi, j'ai rien vu de tout ça là-bas. Ben là-bas, il y a le miroir que tu as pu regarder, c'était une femme et un enfant. Le miroir? Le tableau que tu as regardé dans le salon. La photo. Donc, ouais, mais... Ah, donc... Donc celle du milieu, 3h45, voilà. Tu crois? Mon idée, ce serait alors pourquoi ça. On peut les tourner? C'est ça qui me paraît bizarre. Bon, ça, c'est rien, on s'en fout. Ah, la saloperie, quoi, j'y crois pas. C'est une idée, normalement c'est juste une idée. Oh, hein. On va essayer. Il faut essayer. Mais je peux pas être... c'était pas grave, c'était pas... Tu marches par palier, de toute façon, on s'en fout. Tu crois? Tu fais oui. Je suis 35 ou 30 du coup? Mais 35 plutôt. Voilà, laisse comme ça, c'est pas grave. Et là... Tant pis, passe là et tourne à gauche direct. Tu vas dans l'autre... T'es mignon.
Et tu veux faire d'autre? Ah bah, mourir, ici. Je suis bien ici. J'ai une petite tombe ici, c'est pas mal. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Ah. Je ne veux pas vivre ici. Oh là là, même ça abusé. Je sais. De toute façon, tant qu'elle te court pas dessus, c'est bon. Mais elle va me courir dessus, puis regarde, il stresse cet abruti, là. Attends, je vais reprendre la force. Je devrais peut-être prendre un petit cachet avant, non? Quoi faire? Eh ben, pour m'aider à aller mieux. Regarde. Ah, puis en plus, t'as pas été mettre le jouet, en plus. Ouais. Voilà. Hop. Là, il y a aucun intérêt, je vois ce que t'as fait. Mais... C'était quoi que j'avais dans la main, un briquet? Ouais, au cas où. Attends. Voilà, on sait jamais... Et là, on va par là. Et vite, vite, vite. Il court pas, c'est un gros débile mental. Ça, il y a tout laissé rallumé. Non, pourquoi là-haut? Il n'y a rien à y faire, là-bas. Il y a de la lumière, c'est bien. La lumière, c'est bien. Tu sais, c'est venir, de toute façon, il viendra, il s'en balait avec la vieille. Hein. Regarde. Non, il n'y a rien, là. Là il y a un miroir, là. Ouais. Et j'ai pas ma masse. Ben oui, on va y rechercher. Oh. Et putain. Mais pourquoi t'as refermé? Et j'ai pas refermé. Tu crois que je referme, ben, toi? Fuis de là, hein, je peux pas fuir, je vais pas bien. Là, ça va mieux. Là, je vais pouvoir fuir. T'as vu, il manque un portrait là-dedans. Ah oui, carrément, Froze. Hein. Ça fait depuis samedi. D'ailleurs, hop, je me casse. Qu'est-ce que je fais là déjà? Je sais plus. Je vais dans la chambre. C'est rien, ou tu veux faire quoi? Oh, accrocher le truc. Ah oui, bah dans la chambre alors. Et bah, comment... Au fond, à gauche. On sera peut-être parti à gauche. Putain. Pas grave, elle passe là. Hop à droite. T'as vu, ça s'allume quand je vais là, c'est bizarre. Oui, parce que tu t'éloignes d'elle. Passe là. Tu vas contourner. Oh, yes. Bah, et tu n'as pas le choix. Hein. T'as la lampe, là. Voilà, là. Tourne encore un peu. Attends. Voilà. D'accord. Je suis dans un placard. Hein. Bah, non. Ah, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Pas de problème. Voilà, va reprendre la porte au fond. Oh Emma, pourquoi t'as éteint la lumière? Oh, t'abuses! On est parti. Ouais. Là, je vais dans la chambre. Voilà. Après, on va pas tarder à arrêter, hein. Parce que là, ça va pas. Oh. Je sais plus ce que je fais, là. Elle m'a poussé à aller là, là. Non, mais voilà. Mais... Putain! C'est bon, mais... Que tu fais? Mais je me cache. Elle est méchante. J'aimerais bien au moins mettre le truc. Où ils vont me remettre? Ah, avec ta boussole. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là, non? Comme tu veux. Bah, comme ça, c'est parce qu'après, je sais pas où, quand ils vont me... Tu vois ce que je veux dire? Regarder, oui. Bah, vas-y, arrête pas, alors. Ouais, ça met mon cœur à rude épreuve, quand même. Non, mais je suis sérieuse, en plus. Tu vois, une heure, c'est bien. Une heure et demie, grand max. Après, c'est foutu. Je peux plus. Je comprends plus ce que je fais. Je suis d'accord avec le pied de biche, hein. De quoi, le pied de biche? Un bon coup de pied de biche, puis on en parle plus. Ah bah vieille. J'aimerais bien, mais... mais t'as pas le droit. Eh ben, oui, Emma, t'es de bon rêve. Moi, j'ai toujours été AMD, hein, depuis toujours au niveau PC. Ah, moi, c'est Nvidia. AMD, niveau console, ils ont toujours été bien, quoi. Peut-être que je peux m'échapper là, sans ça. Oups, c'est pas ça que je voulais faire.
Voilà. Oh putain, 25 mégahertz. Ça ne rigole plus là. Donc je vous rappelle, hein, donc demain soir, on est bien vendredi, du coup. Demain, oui. Donc demain soir, on fait petite facecam le soir. Et samedi après-midi, pour ceux que ça intéresse, petit tour sur GTA pour trouver toutes les cartes à jouer sur GTA. Pour avoir le cadeau sur Red Dead par la suite. Voilà. Donc demain soir, venez nombreux, hein, c'est ouvert la tronche du gond ou du gras. Du gras. Histoire de faire un petit FAQ, de faire plus connaissance, hein, de parler un petit peu, quoi. Ouais. Ça m'a tué. De toute façon, je vais vous balancer une petite rediff, comme ça vous serez bien. Vous serez refait, comme on dit. Ouais, comme ça, vous pouvez toujours continuer à causer tranquillement. La boussole, elle fait toujours pareil. Hein. Ouais, mais c'est pas bien de pas avoir GTA. Il faut avoir GTA. Comment on fait sinon? C'est pas bien. D'accord, là je vois plus la boussole, là je la vois. Oui. Je vous dis à demain début d'après-midi, hein. Vendredi matin je suis pas là. Des petits trucs à faire. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir de level. C'est juste pour faire de la promenade, donc il n'y a pas besoin de level. On n'a rien à foutre du level. Donc il n'y a aucun problème. Je crois qu'il est temps de partir, là, ça grince. Allez, tu peux cliquer, on envoie la rediff dans la foulée. Ouais, bah sur ce, bah passez une bonne nuit. Hein. Allez les gars, passez tous une bonne nuit, amusez-vous bien. Ouais, merci d'avoir regardé, c'était bien cool. Merci à vous tous, amusez-vous bien, puis à demain. Passez une bonne nuit, à demain. Bonne nuit, vous. Allez, ciao.